Loue-le ce matin, dis-lui qu'il est le roi des rois, dis-lui qu'il est le seigneur des seigneurs, dis-lui qu'il est tout pour toi, qu'il est ton bouclier, qu'il est le commandant en chef des armées célestes, qu'il est ton médecin par excellence, notre Dieu guérisseur. Je t'adore ce matin, je t'exalte ce matin. Sois loué, sois exalté, sois élevé le roi des rois, sois adoré, sois élevé comme un étendard. Je viens t'adorer ce matin, je viens t'exalter ce matin, je viens te louer ce matin. Sois élevé comme un étendard, mon tout, mon bouclier, mon tout, mon bouclier. Mon époux, mon papa adoré, mon médecin par excellence, mon médecin par excellence, mon juste juge, mon juste juge, mon juste juge, mon juste juge, mon avocat, mon tout, sois loué, sois exalté, sois adoré, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sois adoré, sois élevé. Élève ta voix ce matin, dis merci. Dis merci à Dieu car il est tout pour toi. Dis-lui merci car il est tout pour toi. Dis-lui merci pour le souffle de vie bien-aimé dans le Seigneur. Avec tout ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, ce n'est pas pour vous faire peur, mais il y a tellement de morts avec les histoires de coronavirus là. Dieu nous a protégés, il a veillé sur nous. Dieu, vous savez, il y a dans une église, il y a un frère qui était fiancé, il était jeune, je pense qu'il avait la trentaine seulement, il est décédé, et je pense qu'il avait même pas, il n'était même pas malade, il n'avait rien. On ne sait pas quand est-ce que, c'est quand ton jour. Des fois, c'est Dieu même qui a écrit le jour où tu pars. Voilà, c'est Dieu qui te donne une longue vie ou le contraire. Mais parfois, ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui te ôte la vie. Ce n'est pas Dieu. Tout mort ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, toute mort ne vient pas de Dieu. Toute maladie ne vient pas de Dieu. Détrompez-vous, il ne faut pas penser que toutes les maladies viennent de Dieu. Il ne faut pas penser que toutes les morts viennent de Dieu. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Mais rien n'arrive si Dieu ne permet pas. C'est pour cela, restons dans la droiture. Ayons le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu, et rester vraiment dans la droiture parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut arriver. Tu peux sortir de chez toi, tu ne sais pas si tu rentres. Tu peux ne pas sortir de chez toi, tu peux avoir un accident domestique. Tu peux être en parfaite santé et mourir comme ça. Tu peux être en parfaite santé et mourir comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la droiture, soyons dans la droiture. Restons dans la droiture, ayons le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu. Demandez à Dieu à chaque fois de te changer, de te métamorphoser. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis merci à ton Dieu car il t'a protégé. Il a protégé ta famille, il a protégé tes enfants, il a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé ta famille respective. Dis merci à ton Dieu car il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi la nuit quand l'ennemi est venu comme un fleuve. Oh, c'est Dieu qui l'a fait fuir. C'est Dieu qui l'a fait fuir. Si l'ennemi vient nous attaquer le soir, c'est Dieu qui les combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé l'Esprit de Dieu. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a donné sa vie pour nous. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis merci à ton Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Oui Seigneur, tu t'es donné la mort. Tu as accepté de mourir pour moi. Tu as accepté de te faire malédiction pour que je puisse être béni. Tu as accepté de mourir pour que je puisse avoir la vie éternelle. C'est pour cela, oh Seigneur, je vais tout faire. Je vais faire mon possible pour ne pas rater la vie éternelle. Pour ne pas rater la vie éternelle. Pour ne pas rater la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tant que je vis, il y a de l'espoir. Je ferai tout pour garder mon salut. Je ferai tout pour garder mon salut. Je prierai toujours Dieu pour garder mon salut, pour que Dieu me change et me métamorphose, pour que mes enfants gardent leur salut. Mon époux, oh, garde son salut. Ma femme, garde son salut. Mes parents, gardent leur salut. Où ils soient, qu'ils soient convertis. S'ils ne sont pas convertis, dites que Dieu le touche, que Dieu le touche, qu'il puisse connaître ce bon Dieu, qu'il puisse connaître ce bon Dieu, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, que personne ne peut arriver au Père sans passer par lui, que tes parents connaissent Jésus, que tes enfants connaissent Jésus s'ils ne le connaissent pas, que ton époux connaît vraiment Jésus, que, oh, que ta femme connaisse vraiment Jésus, que ta femme se donne la vie, donne sa vie à Jésus, que ton mari donne sa vie à Jésus, que tes enfants donnent leur vie à Jésus, que tes parents donnent leur vie à Jésus, tes frères et sœurs donnent leur vie à Jésus. Prie pour le salut de ta famille respective, prie pour le salut même de ta belle famille, prie pour le salut de personnes qui sont incrédules dans ta famille. Oh Seigneur, nous te disons merci, merci pour l'œuvre de la croix. Ton sang a coulé pour nous, ton sang a coulé pour nous à la croix de Golgotha, afin que nous puissions être sauvé. Tu as dit que tu es venu pour les pécheurs. Tu as dit que tu es venu pour les pécheurs. Alors, Seigneur Dieu, oh, touche ma famille ce matin. Touche mon père ce matin. Touche ma mère ce matin. Touche mes frères et sœurs ce matin. Touche ma famille respective ce matin. Côté paternel, côté maternel. Touche ma belle famille ce matin. Oh, Seigneur Dieu, ils ne te connaissent pas encore. Mais papa, tu peux les toucher. Dis un seul mot dans la vie de mon père. Dis un seul mot dans la vie de ma mère pour qu'ils te connaissent. Dis un seul mot dans la vie de mes enfants. Dis un seul mot dans la vie de mon mari. Dis un seul mot dans la vie de ma femme. Dis un seul mot ce matin dans la vie de tout un chacun dans ma famille. Dis un seul mot dans la vie de ma belle famille. Seigneur Dieu, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Dis un seul mot, papa. Oh, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de la révélation encore de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'être sauvé. Touche le cœur même de nos gouverneurs, de nos gouvernements. Oui, Seigneur, touche le cœur même des personnes qui nous gouvernent. Oui, c'est toi qui les as mises là. Tu peux les changer. Touche le cœur de tout un chacun de nous. Touche le cœur, oui, Seigneur, même de nos pays, de nos nations. Change nos pays, change nos nations. Change tout un chacun de nous. Oui, les saluts véritables. Nous appelons ton salut Dieu, nous savons que tu es en colère contre nous, c'est pour cela papa, oh touche ces personnes qui sont incrédules, ces personnes qui te connaissent d'abord avant de mourir Seigneur Dieu, ces personnes qui sont en train de mourir comme ça, qui te connaissent pas papa, c'est pour cela nous te demandons papa, touche-les, les saluts véritables, oh enlève cette maladie maléfique dans nos vies Seigneur Dieu, nous comptons sur toi, dis un seul mot pour stopper le coronavirus. Dis un seul mot pour stopper le coronavirus. Oh Seigneur, dis un seul mot pour guérir. Oh, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont atteintes du coronavirus, les personnes qui sont atteintes de d'autres maladies. Oui, Seigneur, mortel. Oh Seigneur Dieu, touche-les, guéris-les. Que l'Esprit de Dieu aille dans les hôpitaux. Que l'Esprit de Dieu aille dans les hôpitaux ce matin. Que l'Esprit de Dieu amène la guérison, la puissance de Dieu. Oh, qu'ils te connaissent, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de me diriger, de me mettre les mots justes. Merci pour le ciel ouvert. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, je t'élève comme un étendard sur toute maladie dans nos vies, sur toute incrédulité dans nos vies, sur toute méchanceté dans nos vies, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Loue ton Dieu ce matin. Dis-lui merci pour le salut. Les saluts dans nos nations. Les saluts dans nos familles. Les saluts dans nos familles. Les saluts véritables. Les saluts véritables, la guérison, la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des douaniers maléfiques aujourd'hui. Les douaniers maléfiques. Nous allons prier contre les douaniers maléfiques. Voilà, nous allons prier contre cela. Préambule. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde
dans le monde, les échanges des biens, des richesses, des marchandises, d'objets, des produits se font au travers de trois portes ou voies. La voie aérienne, alléluia, excusez-moi, la voie aérienne, la voie maritime et la voie ou marine et la voie terrestre. Donc, je répète, dans le monde, les échanges des biens, les richesses, des marchandises, d'objets bien-aimés, des produits se font au travers des trois portes ou trois voies. Donc, j'ai dit la voie aérienne, soit la voie maritime ou marine, ou la voie terrestre. Donc, la voie aérienne, excusez-moi, c'est fait par les airs, et c'est par les biais des avions, des cargos et gros porteurs que des biens et richesses. Les marchandises sont transportées d'un pays à un autre. Alléluia. Donc, la voie maritime ou marine, c'est fait par la mer. Voilà, et par les biais des bateaux, des cargos, transporteurs, les yachts, les pirogues, les chalutiers, etc. Donc, les richesses des biens et les marchandises, ils transitent et vont d'un port à l'autre au bout de la terre. Ensuite, la voie terrestre, c'est fait par la terre, par les biais des frontières limitrophes entre nations. Ce sont des camions, ce sont des véhicules de transport en commun qui sont utilisés pour faire transiter les marchandises, les biens, les richesses d'un point à un autre. On utilise aussi la voie ferroviaire avec les trains. Un train qui peut transporter de plus grandes qualités des marchandises, des richesses et des biens. Voilà, donc à tous ces différents endroits où voilà, il y a des organisations internes et externes qui régulent le trafic des marchandises. Donc les biens, les marchandises des biens et des richesses et des hommes également. Donc des taxes, des tribus, des impôts sont perçus sur ces objets qui conditionnent l'acheminement des marchandises et leur dédouanement. Voilà. Donc, ces procédures-là appliquées dans nos structures terrestres s'appliquent également dans les règnes spirituels. Est-ce que vous m'avez compris? Et il est important que les enfants de Dieu soient conscients des systèmes et des légalités qui régissent le monde spirituel pour mieux comprendre les blocages que nombre d'entre eux subissent. Ainsi, à ces barrages douaniers spirituels, les richesses et marchandises des enfants de Dieu soient arrêtés, retenus ou confisqués par les douaniers maléfiques, selon les lois uniques du royaume des ténèbres. Alléluia. Donc, à ces portes, les puissances et les pouvoirs sataniques qui positionnent leurs agents, leurs démons, qui sont les policiers méchants, dont la mission est de bloquer nos biens et d'imposer des taxes forcées obligatoires sur les bénédictions matérielles, physiques et financières des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, et pour expérimenter une libération, les enfants de Dieu ont la responsabilité de s'élever pour imposer une exonération totale sur tout ce qui leur appartient. C'est une bataille spirituelle qu'il faut mener en vue de récupérer tout ce qui nous appartient si nous voulons entrer en possession de nos richesses, de nos biens,
de nos marchandises et Satan ne doit plus avoir le contrôle à ces portes-là. Et il est grand temps que le pouvoir change de main. Il est grand temps que le pouvoir change de main. Ce qui est à toi, oh. C'est Dieu qui t'a donné. C'est qui peut t'enlever? Donc, deux rois, nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Deux rois 15, verset 20. Donc, maintenant, M leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de les donner au roi d'Assyrie. Et il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Et le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans les pays. Deux rois 23, verset 35. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or. Mais il taxa les pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon et Necho. Néhémie 10, verset 12 nous dit « De ne rien acheter le jour du sabbat et le jour des fêtes des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et les faire relâcher la septième année en exigeant les paiements d'aucune dette. » Alléluia. Ézéchiel 26, verset 12. Nous avons beaucoup de versets à lire. Nous allons prier dans ce sens-là parce qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer. Donc, on enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera les maisons de plaisance plutôt, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Ézéchiel 27, verset 1, 12, 13, 27, 35, 36. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Ceux de Tarsi trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Ils pourvoyaient tes marchés, Javan, Tubal et Meshek trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'Aran en échange de tes marchandises, tes richesses, tes marchés et tes marchandises. Tes marines et tes pilotes, ceux qui préparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ta commerce, tous les hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans les cœurs des mers. Au jour de ta chute, tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante. Leur visage est bouleversé, les marchands parlent, les peuples sifflent sur toi, es-tu réduite au néant, tu ne seras plus à jamais. Luc 10, verset 19, nous connaissons tous ces versets. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Colossiens 2, verset 14 à 15 également, voilà, très très connu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement. Alléluia! Un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Merci pour la croix, Jésus. Et nous avons le pouvoir de marcher sur toute principauté de ce monde. Matthieu 17, verset 25 à 26, « Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit que tant semble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts de leurs fils ou des étrangers ? Il lui dit des étrangers et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exemptés. » Donc, nous allons nous repentir devant notre Dieu. Nous rentrons dans notre intercession. Tendre Père, nous venons encore devant toi ce matin, afin que tu nous laves, que tu nous purifies par ton sang. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie.
Que ton sang brise les joues, que ton sang enlève tout péché conscient et inconscient. Seigneur Dieu, nous voulons être propres devant toi ce matin. Nous voulons être purs devant toi ce matin. Nous voulons être blanches comme de la neige devant toi. Que ton sang brise les jougs. Que ton sang brise tout péché conscient et inconscient. Que ton sang nous donne la victoire ce matin. Que ton sang crie à notre faveur ce matin. Merci pour le sang de l'agneau immolé. Ton sang qui me lave, qui me purifie. De la tête aux pieds. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je pardonne. Dites à Dieu, pardonne-moi ce matin. Pardonne mon manquement. Pardonne mon manquement. Si j'ai péché par ma bouche, par mon manquement, Seigneur Dieu, je te demande pardon ce matin. Je pardonne également à toute personne dont, oui Seigneur, qui a subi l'offense et le mal. Seigneur Dieu, oui, je ne veux pas garder, je veux aussi pardonner à toute personne qui m'a fait du mal. Je ne veux pas garder d'amertume, oui, des ressentiments dans mon cœur ce matin, ni d'animosité ce matin, papa. Et je vais bénir toutes les personnes qui m'ont fait du mal par ton salut véritable. Toutes les personnes qui m'ont offensé, je les bénis par ton salut. Oui, papa, toutes les personnes qui sont incrédules, qui ne savent pas ce qu'elles font, je les bénis par ton salut véritable dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, couvre-moi par ton sang ce matin. Couvre mes possessions, ma maison. Couvre mon foyer, mon mariage par ton sang. Couvre mon ministère par ton sang. Couvre mes enfants par ton sang. Couvre mon époux par ton sang. Couvre chacun d'entre nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Saint-Esprit, viens me remplir ce matin. Remplis-moi l'Esprit de Dieu vivant. Mon ami fidèle, mon paraclet, Saint-Esprit, viens me remplir. Viens me remplir d'une muraille de feu. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Remplis mon corps. Remplis mon esprit. L'Esprit de Dieu vivant. Viens me remplir ce matin. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis mon âme. Remplis mon esprit. Remplis mon corps. Viens me remplir, Saint-Esprit. Remplis-moi l'Esprit de Dieu vivant. Viens me remplir ce matin. Viens me remplir ce matin. Remplis mon âme. Remplis mon esprit. Remplis mon corps. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux rien. Les miracles viennent de toi. Les prodiges viennent de toi. Les signes viennent de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens me remplir d'une onction fraîche. Viens me remplir d'une double onction. Une 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 double onction. L'Esprit de Dieu vivant, viens me remplir. Remplis-moi. Remplis-moi d'une double onction ce matin. Remplis moi rebe sataba koro yabase ranta yabase tekebo koro yabache. Oh oui Seigneur, j'ai besoin de toi Saint-Esprit. Remplis moi Saint-Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu vivant, viens me remplir, viens me remplir, viens remplir mon esprit. Rente kebo santa kaba koro yabache rente yabo seke yabako. Oui Seigneur Dieu, oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, viens, viens te manifester, viens te manifester, viens te manifester. Viens te manifester une onction fraîche, une double onction qui brise les jougs, qui brise les jougs. Rete kebo satakaba koro yabase, ranta yabase ke yabache, rente yebo koro yabose. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu vivant. Viens, viens te manifester, viens me remplir, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi d'une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche. Et un triple onction, une double onction qui brise les jougs, qui brise les jougs. La manifestation du Saint-Esprit, remplis-moi, viens me remplir. Remplis mon esprit, remplis mon esprit, remplis mon esprit, remplis mon esprit, remplis-moi, l'Esprit de Dieu vivant. J'ai besoin de toi, viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir, remplis-moi. Rete kebo satakaba koro yabashe, ranta yabase ke yabakoro yabose, tekebo koro yaboshe, ranta yabase tekebo koro yabose. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
voir les miracles. Oui, nous avons besoin de tes miracles ce matin. Nous avons besoin de tes prodiges ce matin. Nous avons besoin de tes signes ce matin. Nous avons besoin de témoignages puissants. Oui, des témoignages dans nos vies. Tes miracles, tes prodiges, tes signes. Sans toi, nous sommes rien. C'est pour cela, nous te demandons l'Esprit de Dieu vivant. Viens nous remplir. Remplis-moi, 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 remplis-moi ce matin, 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 remplis-moi, viens me remplir, remplis-moi, retekebo setekebo koroyabashi, rantayabase keyabako, retekebo santakayabako, reteyabo koroyabose, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi d'une muraille de feu, 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 remplis-moi ce matin, retekebo sekeyabaku, reteyabashi. Alléluia, merci l'Esprit de Dieu vivant, merci Saint-Esprit, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance, alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier Dieu. Nous allons faire des. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Répétez avec moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci notre ami fidèle, notre paraclet. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu dis avec moi, bien-aimé, à toi l'Éternel Dieu. C'est à toi l'Éternel Dieu. C'est à toi l'Éternel Dieu. La terre et ce qu'elle renferme, le monde est à toi, ce qui habite est à toi. Oui, selon le psaume 24, verset 1, tu es souverain, tu es souverain, tu es maître de tout ce qui existe, tant visible qu'invisible, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es le dominateur de tous les peuples, et c'est entre tes mains que toute chose a et trouve son origine. C'est entre tes mains que toutes les choses a et trouve son origine. Et trouve son origine dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Yahweh, tu es notre Dieu, le Dieu unique et véritable. Tu es le Dieu unique et véritable. Il n'y a aucun Dieu comme toi. D'ailleurs, tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable Dieu. Oui, ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est adoré, ton nom est exalté, ton nom est élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination dans ce monde, dans nos vies, Papa. Oui, de toute autorité, ton nom est élevé de toute autorité, oui, de toute puissance, ton nom est élevé de toute puissance, de toute dignité, Papa. Ton nom est élevé de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, que toute chose a été mise, toute chose a été mise sous tes pieds. Oui, toute chose a été mise sous tes pieds et ton règne. Ton règne n'a point de fin. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans nos vies. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans nos vies. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur Dieu. Car tu règnes éternellement. Ton règne, Seigneur Dieu. Que ton règne vienne dans nos vies. Tu règnes éternellement. Tu règnes éternellement dans ce monde. Tu règnes éternellement. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Père céleste, le roi des rois, le prince des princes, mon tout, je te demande pardon pour tous ceux qui donnent un droit légal à Satan dans ma vie. Je te demande pardon pour mon mari également, pour tous ceux qui donnent un droit légal à Satan dans sa vie, pour tout péché commis
par moi ou par lui, Seigneur, ou par nos ancêtres respectifs, dans le nom de Jésus-Christ. Et je m'en repens sincèrement. Je m'en repens sincèrement de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens briser ce matin. Je viens briser ce soir. Et je renonce à toute alliance, oui, tout pacte qui ont été établis dans ma lignée par le sang de Jésus-Christ. Oui, je brise et je renonce. Je brise cela. Je brise toute alliance également et tout pacte qui ont été établis dans la lignée de mon mari. Par le sang de Jésus-Christ, je brise cela. Je brise au nom de Jésus. Je les 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 brise. Oui, je viens révoquer ce matin. Et j'arrête. Oui, tout décret maléfique. Je viens révoquer. Je viens arrêter tout décret maléfique, satanique, qui s'élève contre moi dans les airs, qui s'élève contre moi dans la terre, dans la mer, les forêts, et je l'annule totalement par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je révoque et j'arrête tout décret maléfique, satanique, oui, qui s'élève contre la vie de mon mari, qui s'élève contre mon mari dans les airs, dans la terre, oui, dans la mer, Yahweh, dans les forêts, et je l'annule totalement. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de la rédemption, crie contre vous, le sang sans tache, crie contre vous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour toute dignité, toute autorité, oui, Seigneur Dieu, qui se dresse sur mon chemin, sur le chemin de mon mari, oui, de prospérité, est renversée, est liée, et chassée, chassée dans les abîmes des ténèbres, chassée dans les abîmes des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je me tiens dans l'alliance éternelle des sangs de Jésus. Des sangs de Jésus et j'annule toute alliance qui a été établie dans ma lignée générationnelle sur tout ce qui concerne ma famille. Oui, tout ce qui concerne ma famille et moi. Oh Dieu, je me tiens dans l'alliance éternelle du sang de Jésus-Christ et j'annule toute alliance qui a été établie dans la lignée générationnelle de mon mari sur tout ce qui concerne, oui, Seigneur Dieu, sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire, je détruis tout embargo satanique. Je détruis tout embargo satanique maléfique contre mes richesses. J'ai détruit tout embargo satanique maléfique contre mes richesses, mes biens, mes marchandises. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout embargo satanique maléfique contre les richesses de mon mari, de ses biens et ses marchandises. Au nom de Jésus, tout douanier spirituel posté au niveau des airs, tout douanier spirituel posté au niveau des airs, de la mer, de la terre, soit lié avec les chaînes de fer, soit lié avec les chaînes de fer. Le feu de l'Éternel les chasse, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Toute facture imposée comme taxe les impôts ou taxe foncière ou taxe d'habitation, peu importe, oui, taxe ou impôt ou tribu venant des esprits des eaux, oui, esprit de l'air, esprit de la terre, est payé par le sang de Jésus. Tu es payé par le sang de Jésus. Tu es payé par le sang de Jésus qui a tout accompli à la croix. Le sang de Jésus a tout accompli à la croix. Le sang de Jésus a tout accompli à la croix. Toute porte qui est sous la domination des puissances de l'air, toute porte qui est sous la domination des puissances de l'air, des puissances des marines, des esprits de la terre, rentre sous la domination du règne du Jésus-Christ maintenant. Même, maintenant même, toute porte qui est sous la domination des puissances de l'air, des puissances des marines, des esprits des terres, rentre sous la domination du règne de Jésus-Christ, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je commande une exonération totale et définitive sur toute bénédiction, toute richesse, tout bien, toute marchandise,
tout produit quelconque transitant par l'air, par la mer, par la terre, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que tout pouvoir diabolique qui contrôle toute personnalité humaine à s'opposer à la libération de mes biens, à s'opposer à la libération de mes biens, de mes richesses, soit condamné, soit jugé par le feu du jugement divin, soit condamné, soit jugé par le feu du jugement divin. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute réclamation des esprits familiers, de ma lignée qui parle contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute réclamation des esprits familiers de la lignée de mon mari, lui qui parle contre lui et sa famille. Au nom de Jésus-Christ, j'inverse tout échange spirituel qui a été fait par des paroles, Seigneur Dieu, prononcées par mes ancêtres ou par moi ou par quiconque, des personnes méchantes. Et j'annule toute parole négative sur mon mariage, sur mon ministère, sur ma vie, sur chaque domaine de ma vie, sur mon travail et celle de ma famille. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je décrète, je viens déclarer, je viens prophétiser sur tout bien, toute richesse, tout produit, toute marchandise appartenant à tout enfant de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, l'annulation et la levée de toute sanction, l'annulation et la levée de toute sanction, toute imposition des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Et j'ordonne que cela soit nul, que cela soit nul et sans effet. J'ordonne que cela soit nul et sans effet. J'ordonne que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je viens paralyser les activités anti-progrès. Je viens paralyser les activités anti-progrès dans mon mariage, dans mon ministère, dans mes fiançailles, dans mon travail, dans mon foyer, mes finances, dans mon avancement partout. Oui, Seigneur, je paralyse des activités anti-progrès dans chaque domaine de ma vie. Oui, dans mes projets, des activités anti-progrès. Je te paralyse ce matin. Je te paralyse ce matin. Je te paralyse. Je te paralyse au nom de Jésus. Je te paralyse. Paralyse les activités anti-progrès, oui, anti-prospérité sur ma vie. Je te paralyse et celle des membres de ma famille, oui, sur la vie de mon mari. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je place le sang de Jésus-Christ au-dessus de tout document écrit, oui, tout document écrit, signé et établi contre mes bénédictions, contre mes bénédictions, et je l'annule entièrement. Je l'annule selon Colossiens 2, versets 14 et 15. Au nom de Jésus-Christ, je place le sang de Jésus-Christ au-dessus de tout document écrit, signé et établi contre mes bénédictions, papa. Et je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule entièrement. Je l'annule, je l'annule. Je l'annule entièrement selon Colossiens 2, versets 14 à 15. Au nom de Jésus, que porte des cieux, porte de l'air, porte de la mer, porte des forêts. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel dont je suis héritière. Dont je suis héritière. Oui, dont je suis héritière. Que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi. Oui, je la condamne. Je la condamne. Je la condamne. Je la condamne. Je condamne toute langue qui s'élève en justice contre moi. Je condamne. Je condamne toute langue qui s'élève en justice contre moi. Je la condamne ce matin. Je la condamne ce matin. Je la condamne au nom de Jésus-Christ. Je la condamne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon héritage et c'est le salut qui me vient de l'Éternel. Selon Ésaïe 54, verset 17. Au nom de Jésus-Christ, oh que tout pouvoir, autorité satanique, maléfique, qui se place au port, aux aéroports, aux postes des frontières, qui arrête, qui bloque et impose des taxes,
taxes, des impôts obligatoires et tribus est neutralisé, lié et chassé dans les abîmes des ténèbres, chassé dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle et consume en cendres toutes barrières, tout obstacle qui se dresse sur le chemin de ma bénédiction, de ma prospérité, brûle en cendres, brûle par le feu, par le feu, par le feu, brûle par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Tout système de communication avec des démons et des pouvoirs internationaux, nationaux, territoriaux, environnementaux, oui, entre eux, pour contrôler les bénédictions des enfants de Dieu, pour contrôler les bénédictions des enfants de Dieu, soit détruits, soit anéantis complètement et brisés, brisés par les marteaux de feu de la parole de l'Éternel, de la parole de l'Éternel, des armées. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la libération immédiate, sans préavis, à mes bénédictions matérielles, à mes bénédictions financières, à mes bénédictions spirituelles, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui me concerne, dans tous mes domaines, dans tous les domaines, passant par les portes de l'air, de la terre, de la mer, au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout ce qui me concerne, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie, dans mes projets de voyage, dans les projets de voyage de mon mari, dans tout ce qui le concerne, papa, au nom de Jésus-Christ, dans tous les domaines de nos vies, passant par les portes de l'air, passant par les portes de la terre, de la mer, au nom de Jésus, que tout ce qui transite par air, terre, Seigneur Dieu, mère, m'appartenant, Seigneur Dieu, ou appartenant à tout membre de ma famille, de mon mari également, soit couvert par le sang, soit couvert par le sang de Jésus, et entouré du feu de Dieu, entouré du feu de Dieu, et invisible aux yeux de tout policier spirituel, invisible aux yeux de tout policier, invisible aux yeux de tout policier spirituel, au nom de Jésus. Job 22, verset 27 à 28, « Tu les prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux en tes résolutions, répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Père céleste, par la puissance du Saint-Esprit ce matin, par ta parole dans Job 22, verset 27 à 28, je viens déclarer que dans toute résolution, selon ta parole, toute résolution, selon ta volonté, papa, arrêtez dans mon cœur et proclamez, Seigneur Dieu, que les succès soient toujours mon partage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout projet de l'ennemi pour retenir, avec un, retenir, Seigneur Dieu, oui, Seigneur, tout projet de l'ennemi pour retenir avec imposition d'une taxe, emprisonner mes biens, échoue ce matin, lamentablement, et soit anéanti par le sang de Jésus, soit anéanti par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, je viens déclarer, je viens confesser, je viens prophétiser, je déclare que je suis exempté de tout impôt et tribu. Je suis exempté de tout impôt et de tout tribu que les rois de la terre, les rois de la terre ont décidé de percevoir et par conséquent ce matin, par conséquent, tout ce qui me concerne reçoit l'exonération. Tout ce qui me concerne reçoit l'exonération totale au nom de Jésus-Christ. Père éternel, j'invoque ta divine puissance. J'invoque ta divine puissance contre tout pharaon de ma vie, contre tout Jézabel de ma vie, contre tout sorcier de ma vie, contre tout méchant de ma vie, tout roi de la terre, tout pouvoir de l'air, toute armée des ténèbres qui contrôle les biens, qui contrôle les richesses, qui contrôle les produits, les marchandises de ma famille et moi, de mon foyer, de mon ministère, de chaque domaine dans ma vie, de mon
travail de mes finances. Que l'ange de l'Éternel s'élève. Que l'ange de l'Éternel s'élève. Que l'ange de l'Éternel s'élève. Seigneur Dieu, envoie ton ange. Que ton ange s'élève pour fermer leur bouche. Envoie ton ange. Que ton ange s'élève pour fermer leur bouche. Pour fermer leur bouche. Annuler leurs accusations. Annuler leurs accusations. Annuler leurs accusations. Révoquer leurs décrets. Révoquer leurs décrets. Contre moi, contre mon mariage, contre mon ministère, contre moi et mon mari, contre mon travail, contre mes finances, contre mon avancement, nos projets, contre nos voyages, au nom de Jésus, par la puissance du 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 nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, que ta protection, dites avec moi, que ta protection et ta bénédiction nous enveloppent. Enveloppe aussi l'église porte des cieux. Enveloppe tout un chacun de nous, nos familles respectives, papa. Préserve-nous, Seigneur Dieu, de toute attaque. Préserve-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Et couvre-nous tous, chacun d'entre nous, papa. Oui, couvre chacun d'entre nous. Couvre chacun d'entre nous. Par ton sang, couvre chacun d'entre nous de toutes les attaques de l'ennemi, couvre chacun d'entre nous, oui, de ton manteau de protection, de ton manteau de protection, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, nous venons déclarer ce matin, je viens déclarer que tout rassemblement, tout regroupement des forces des ténèbres, contre moi et mon mari, contre mes enfants, ma famille et moi, ma famille naturelle et moi, ma famille spirituelle et moi, et oui, en représailles à nos prières, soit dispersé par le tonnerre de Dieu, soit dispersé par le tonnerre de Dieu, soit dispersé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois dispersé. Au nom de Jésus-Christ, oh, je te remercie, Seigneur, pour ta haute protection, pour l'armée des anges, papa, pour l'armée des anges que tu nous as envoyés. Je te remercie pour l'armée des anges qui nous garde la nuit, qui nous garde le jour, oh Seigneur Dieu. Et je te loue, je t'exalte. Pour ta bonté dans nos vies. Je te loue pour ta grandeur dans nos vies. Je te loue pour ton amour dans nos vies. Je te loue pour ton amour pour l'exaucement de nos prières. Je te loue pour l'exaucement de nos prières. Je te loue pour l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour l'exaucement de nos prières, selon Jean 14, verset 14. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu nous donne la victoire sur tout ennemi, visible et invisible. Alléluia. Merci Jésus, merci Papa. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, partagez la vidéo, aimez, partagez, commentez. Et pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu et bien-aimé dans le Seigneur, même si je me répète, vraiment, ce ministère a besoin d'être béni par vous. Si vous ne bénissez pas les ministères, c'est qui va bénir les ministères? Voilà. Nous prions, c'est bien de prier pour des délivrances, pour témoigner, etc., etc. Mais il faut que les ministères avancent. Il faut que les ministères avancent, bien aimés. Si vous aimez Dieu, montrez votre amour à Dieu. Aussi avec vos prémices, avec vos dîmes, avec vos offrandes, avec les autels que vous élevez. Pour montrer votre amour à votre Dieu. Voilà, donc vous aimez votre Dieu, il faut le prouver aussi pour essayer de faire avancer les ministères, que les ministères ne restent pas stagnés. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu, pour que ça touche plus d'âmes. Et pour ceux qui n'ont pas payé, achetez les livres, vous serez bénis. Et vous offrez même aux personnes autour de vous. Vous serez bénis. Que l'Éternel soit exalté. Ces livres-là, il y a des personnes qui ont... Il y a même des musulmans qui ont acheté ces livres, bien aimés. Il y a même des musulmans, même si... C'est vrai que c'est un peu... C'est décalé, les gens qui... Je ne sais pas encore. C'est vrai que c'est 60 jours après le premier paiement. Enfin, je ne sais pas. Le premier paiement, c'est 60 jours après. Deux mois après, tu touches. Je ne sais pas encore c'est combien de livres a été acheté. Il faut que j'aille dans quelque chose pour essayer de voir ça. Je ne suis pas douée sur Internet, mais je vais essayer de voir.
Alléluia, j'ai plus de voix là. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut faire quelque chose. Voilà. Et partager la vidéo. Aimer la vidéo. Très important. Partager. Partager. Ne me laissez pas prier et tout faire. Et aussi partager. C'est parce que j'ai mal aux doigts. J'ai plus de doigts après. Car je veux que ça touche plus de monde. La prière, elle est gratuite. Dieu a dit qu'il nous donne gratuitement. Mais pour l'avancement de son œuvre, on peut, rien ne va sans l'autre. Voilà. Donc la prière, c'est gratuit. C'est normal. Mais pour qu'il y ait des matériels adéquats, il faut de l'argent. Voilà. Que l'Éternel soit béni. Et puis, on va essayer de faire quelques vocales cette semaine. Je vais faire peut-être 2-3. Je verrai. Voilà. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas accès aux vidéos, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Loue ton Dieu, loue-le, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et qu'il continue à faire dans ta vie. Loue-le, loue-le, loue-le. On va faire jusqu'à 1 heure, je pense que ça coupe. On a de la chance aujourd'hui. Alléluia. C'était un moment de gloire, mon béni, mon cœur t'adore avec le cœur éclossé. Porte-nous à cœur de nos prières, nous devons rendez-vous à très bientôt. Ma c'est la qui, ma mon achète, maman, jusqu'ici. Ma sa confondue, jusqu'ici. Qui nous le loyaux, jusqu'ici. Alléluia, merci Jésus, merci papa. T'as un cadeau pour maman? Oh, la pub. Hein. Merci Yahweh, merci, merci Jésus, merci papa. Merci Seigneur, merci papa, merci Jésus. Merci Yahweh, merci papa. Merci Jésus, on va essayer d'écouter jusqu'à 1 heure. Jésus est ton meilleur ami. Hein. Vous avez des témoignages bien aimés, n'hésitez pas. Pour les personnes qui ont donné les promesses, qui ont trouvé du travail, qui ont donné des promesses pour donner la dîme et qu'elles n'ont pas fait, quand vous donnez une promesse à Dieu, vraiment faites-le, sinon ce n'est pas la peine de donner. Parce après, ce n'est pas bon pour vous, bien aimé. Ce n'est pas bon du tout. Les personnes qui ont commencé des hôtels, continuez vos hôtels. Donner une promesse à Dieu, si vous ne le faites pas, c'est pas bon du tout. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux adore, dire ce adore, soir? Adore ton Dieu. Mon meilleur ami. De Dieu, on se sent bien. On est bien. On se sent bien. On est emporté. Oh Seigneur. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde.
Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si tu es, tu as l'esprit renouvelé, tu ne veux pas penser comme les gens de ce monde. Laisse-toi transporter par le Saint-Esprit. Il va te parler ce matin. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous transporte. Alléluia, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Même si tu n'es pas encore passé. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Parce que Jésus s'est proposé d'être ton ami ce soir. Shekeba Santa Bakoro Yabase. Yahweh. Mon meilleur ami, c'est toi. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Parle à ton Dieu, demande-lui ce que ton cœur désire, il va te donner ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, dis-lui ce que ton cœur désire. Parle-lui sincèrement, parle-lui comme si c'est ton ami, car c'est ton ami. Parle à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'il change cela, qu'il métamorphose cela, qu'il dise un seul mot pour changer quelque chose dans ta vie ce matin. Dis-lui ce que ton cœur désire ce matin. Que Dieu change cela, que Dieu change cela ce matin. Oh, dis-lui ce que ton cœur désire ce matin. Si tu es sincère avec Dieu, si tu es dans la droiture, si tu es son enfant véritable, oh Dieu va te donner. Oh Dieu exauce même des fois Dieu exauce même des païens, des fois Dieu exauce même des musulmans pour que nous puissions être touchés et connaître sa grandeur. Toi, surtout que tu es un enfant de Dieu, oh, que ton père ne peut rien te refuser, sauf si c'est pas sa volonté. Alors c'est pour cela, oh, mets-toi à genoux, dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie, que tu as besoin que ton père change cela. Dis-lui ce qui va dans ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie. Il va dire un seul mot. Parle-lui comme ton ami, car c'est ton ami. C'est ton meilleur ami. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Il va te donner ce que ton cœur désire, sauf si ce n'est pas sa volonté. Il va te donner ce que ton cœur désire. Parle à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, parle-lui ce matin. Dis-lui ce que tu ne vas pas. Agenouille-toi. Oui, même si tu dois pleurer, pleure devant lui. Pleure devant sa face. Fais une prière de supplication. Une prière qui vient de ton cœur. Une prière qui vient de ton âme. Une prière qui vient de ton esprit. Qui vient du Saint-Esprit. Dis-lui, agenouille-toi. Dis-lui, oui, papa, mon père et mon Dieu, exauce mes prières, exauce-moi, je suis ton enfant, je suis ta fille, souviens-toi de moi, ouvre ton livre de souvenirs, je suis ta fille, oui, je sais que tu m'aimes, je suis la prunelle de tes yeux, je suis la prunelle de l'œil de Dieu, je suis ta servante, tu m'as choisi, oui, Seigneur, pour que je puisse être un témoignage vivant pour ton père. Pour que je puisse être un témoignage vivant pour ton peuple. C'est pour cela, Seigneur, exauce mes prières ce matin, que je puisse témoigner ta grandeur, ta puissance. Oui, Seigneur, pour que je puisse prouver au monde entier que tu es Dieu. Tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant. Tout ton Dieu, dis-lui ce que ton cœur ressent. Dis-lui ce qui ne va pas. Oui, Seigneur, les personnes viennent me
persécuté par méchanceté. Je sais que j'ai un avenir glorieux. C'est pour cela que l'ennemi rôde autour de moi. Mais Seigneur éternel, tu nous en délivres toujours. 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 Oui, Seigneur, tu connais toutes choses. Je te vide mon cœur ce matin. Oui, Seigneur Dieu, fais-moi grâce ce matin. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde ce matin. C'est une prière de supplication. C'est une prière de supplication. C'est une prière de supplication. Ta miséricorde dans ma vie. Ta main dans ma vie. Ta grâce dans ma vie. Ta miséricorde, Papa. Ta miséricorde, Yahweh. Ta miséricorde, Emmanuel. Le Dieu parmi nous. Tu es mon meilleur ami. C'est pour cela que je te dis, ce qui ne va pas, dis un seul mot. Dis un seul mot, Jésus. Dis un seul mot, Papa. C'est une prière de supplication. Donne-moi ce que mon cœur désire ce matin. Donne-moi ce que mon cœur désire ce matin. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à mon sujet. Que l'ennemi ne puisse pas se réjouir à